C'est vrai qu'il y avait des lacs chelous. Là. On peut passer des appels. On le fait? On va passer des appels, les gars. Ta gueule! Attendez, 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 parce que ça, je me souviens. Merci beaucoup, Nadie, pour ton réabonnement de deuxième mois déjà, merci. C'est 69, 78. C'est lequel qui m'avait dit hier, si ça tourne mal, appelle. Oh, je sais plus lequel c'était. Il nous avait dit, si ça tourne mal, appelle. C'est ça. Ne t'inquiète pas si c'est juste... 69, 34. On y va. Vous êtes des grands malades. Hein. Merci beaucoup, Inclayen, pour les 15 euros. Vous êtes des fous. Hein. Merci du fond du cœur, c'est très gentil. Merci beaucoup, Inclayen, pour les 15 euros. Des gros bisous à toi. Merci beaucoup. 69, alors. 69. 30. 4. This number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due. No, no, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise, you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Fréquence X. Télégraphie village en feu. And become a spy? I don't know. My father Mais is what? German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. I don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Aider les partisans ou révéler le plan à papa? Oh, on fait quoi? Merci beaucoup, Matator, pour les 201 bits. Merci. Mon doigt a glissé. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, Matador. C'est très très sympa. Merci beaucoup. Je fais quoi? Révèle le plan, aide. Je sais pas ce que je fais, les gars. Ta gueule! Merci, c'est vite. Merci beaucoup pour l'abonnement offert à Isil. C'est très gentil. Merci beaucoup pour les sabots offerts. Révèle. Aide. Aide. Oh là là, les gars, les gars. Ah, mais vous êtes des oufs. Merci, Clayon, pour les 10 euros encore. Merci beaucoup. Et gardez pour vous. Vous êtes des oufs. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Merci infiniment. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Aide. Bon, bah, on va aider, allez. Oh là là, les gars, qu'est-ce qu'on a fait? I will need sharp scissors. Taylor scissors should be fine. Ah, je les ai, les ciseaux! Je les ai! Oh, qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc, c'est là, le câble de communication? Vas-y, on va aller le couper. Et en plus, ouais, qu'est-ce que je dois... Je peux pas aller en parler à mon père, je suis censée être sourde et muette, là. J'avoue. Qu'est-ce que je vais aller lui dire, ça? On va aller couper le câble. J'imagine que c'était... Oups. C'est par là, non? C'est par où? Pas du tout. C'est par là. Plus pour info. Le vélo, on peut pas le prendre parce que j'ai pas la pompe à vélo. Quel mauvais bail. Ah, l'église, elle est ouverte, les gars. C'était pas ouvert. Oh, le moineau. Oh, le moineau.
Ta gueule! Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Oh là là, merci beaucoup. Mimi, merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. Vous avez commencé il y a longtemps, on vient de commencer à l'instant. T'arrives tout pile à l'heure. On vient d'arriver. Merci beaucoup. Nanny always calls me little sparrow. Et voilà, la nourrice m'appelait toujours petit moineau. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Oh là là, la sœur morte là depuis 8 ans. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. There's only a few signatures from my funeral. If people had known that it was actually Martha, there would have been far more. C'est vrai, c'est horrible parce que elle lui pique son identité et personne pleure la mort de Martha du coup parce qu'il pense qu'elle a envie. C'est infâme. Commune of San Casciano, province of Florence. Death certificate. From the register of death certificates of this commune, number 174, part 3. Series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died. Resident of Via Perchabaya, born in La Romola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich Kay and Irene Kay, Don Attilio D will give the funeral and the esteemed Mr. Alberto M, who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. 65 quoi, le numéro? J'ai déjà oublié. C'est infâme, j'ai déjà oublié. Holy water. It's only water and yet there's something special about it. 65-37, ok. Bon, bah, faudra qu'on retienne. Hein. Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, moi? Ma sœur est morte et là, je vais aller couper un câble téléphonique. C'est juste... Bah, c'est ce câble-là. C'est ça que je vois cut? Mais non. C'est quoi le bail? C'est je suis les lignes ou pas? Le câble de communication. Ok. Mais est-ce que je dois cut le... Ça me fait peur, le gamin, là. Est-ce que je dois cut la ligne ou pas du tout? Qu'est-ce que je dois... Est-ce que je dois suivre? Parce que là, si je suis la carte dans ce cas-là, c'est spot aussi. Sauf que... Ah, là, il y a un point, j'avais pas vu. Je sais pas si vous entendez mon ventre gargouiller, c'est un bail. Quelle folle. Ta gueule. Merci beaucoup, Maureen, pour ton prime. Merci infiniment, c'est très gentil. Sans la douille. Oh, mais c'est un singe la meuf ou comment ça se passe? Mais attends. Tu veux que je fasse quoi maintenant? I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. Mais qu'est-ce que je fous hein? Descends. This wire heads towards the house and then keeps going. Mais elle va se faire électrocuter. Elle peut pas se faire électrocuter, genre à couper comme ça.
Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. Ta gueule! Merci Antique pour ton 3e mois d'abonnement, comment tu vas? Merci beaucoup. Ok, non, c'est bon. Ok. Mais quelle angoisse. Donc là, c'est derrière la maison de toute façon. Ok, bah on y va, let's go. Hein. C'est bien par là? Oui. Moi, perso, je ne tenterai pas quand même de le couper. Hein. Même si vous me dites que ça risque rien. Je me dis, bon, on sait jamais. Dans le doute. Avec la chance que j'ai, je ne vais pas trop faire ça non plus. Ah! C'est là-dedans, genre? C'est où? The telegraph must be hidden in one of these feed bins. Oh, j'ai la clé, nice! Il s'était marqué X. Have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Près la route. À côté maison. C'est bon? Oh non. Appuyez rapidement pour envoyer point. Appuyez maintenez un court instant pour envoyer trait. Ah bah du coup je me suis déjà foirée là. Damn it. I got the length of the sound wrong. Oh non. I'll try this word again from the beginning. Merci Nam pour ton prime, merci beaucoup. Non mais je suis en mode j'envoie du morse. Hein. Damn it again. Planté. I need to be more careful. Mais c'est un truc de ouf. C'est pire qu'Elden Ring. No, another mistake. Oh là là. I need to focus more and think less. Je fais des bêtises. Court, long. Court, court, long. Court, long, long, court. Long, court, long, court. Voilà. Oh purée. Oh non, 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 quoi? Me dis pas que je dois... Non mais attends, c'est un fake. Moi je vais repartir sur la trame principale. Hein. J'aurais mieux fait de tout dire à mon père. Non mais attendez, c'est abusé là. Non mais attendez, quelqu'un peut me donner la soluce là parce que non, là, c'est trop, c'est trop. Non, là, non, non. Reçu besoin d'une carte de ligne défensive, reçu besoin... Oh non. Défensive, ligne, carte. Laissé près du bâtiment au bord de la rivière. Et ensuite AR, tu mets... They are asking me to find a map. Oh là là, les gars, le crack, les cracks. Oh les cracks. Waouh. Même les vaches, elles s'endorment, elles en peuvent plus. Donc ça, c'est quoi? Prendre une photo de la carte. Mais comment ça? Elle est où cette carte de Nulos là? Moi, je vais aller voir la Dame Blanche. Hein. Je dois prendre une photo de la carte dans le bureau de papa. Non, 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 non.
Les gars. C'est abusé là. On va y aller, hein. On va aller dans la chambre, on va prendre la photo. Franchement, un gros jeu au chat, hein, qui a tout donné. Hein. Allez hop, à l'étage. That's it. Hopefully the image comes out clearly. Ah mais du coup je dois aller là. Oh non. Je suis en train de me dire qu'il faut la développer, non? Imprimer la photo, bah ouais. Oh là là. Mais ça c'est considéré comme une quête secondaire ou pas du tout? On y va. Ouais, c'est celle-là. Ok. Espace pour arrêter l'immersion. Hop. The print should be fine like this. You can see detail clearly. Mettre dans l'album. Il va y avoir notre sœur de l'autre côté vivante cette fois-ci. On y va. Let's go. Alors, voir la carte. Donc, en gros... Je reprends là où il y avait la ligne téléphonique, non? C'est ça? Ouais. Je passe le pont. Je vais laisser la carte vraiment pas loin. Sans déconner, j'imagine que prendre le vélo, ça doit être tellement plus rapide. Petite balade en vélo à chaque fois, là. Tu gagnes un temps fou, en fait. Attends, c'est là où il y a la croix que je dois aller? Non, c'est à gauche. C'est moi qui marche. According to Nanny, this was an old windmill. It has been abandoned for as long as I can remember, and it has always given me the creeps. Oh non, on va se prendre un truc dedans. Ta gueule! Merci Jérém pour ton abonnement. Merci beaucoup. There we go. The photo is where they requested. Ta gueule! Merci beaucoup Kenzo aussi pour ton deuxième mois d'abonnement. J'ai l'impression que ça marche autour de moi, ça m'angoisse. Bon ça c'est bon, ça a été laissé. Ensuite, utiliser le télégraphe. Quoi ? Non, 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 non. Non. Non, non, non. Me dites pas s'il vous plaît que je dois réutiliser le télégraphe. Pourquoi faire ? Pourquoi réutiliser le télégraphe ? Ne me dites pas que c'est pour lui dire qu'on a mis la photo. J'aurais mieux fait tout dire à mon père, ça aurait été beaucoup plus rapide. Je pense que tout aurait été beaucoup plus rapide. Ah non, c'est infâme. Bon ben on retourne au télégraphe, on va envoyer un petit message. Les gars, il me traumatise ce télégraphe. On y retourne, hein, on y retourne, on donne tout. Hein. Let's go. Hein.
Allez hop. Route to the télégraphe. Coucou les meumeux. Oh, j'espère qu'il va pas répondre. Hein. Place the photo where requested, so I need to find the right words to communicate it. Oh, and of course, I need to remember the code word. Bah déjà, ville en feu, encore. Me dites pas qu'il va me répondre parce que ça... Je vais faire un malaise. Il me répond. Oh non. Non, 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 on peut pas faire ça tout du long, hein, c'est pas possible. Hein. Ça traumatise. Hein. Terminé? They have worked out the position of the tank. I should confirm that I understood their message with receipt. Tu dis rien du tout, toi. I need maximum concentration and complete mental silence, so I'll never do this. 1, 2, 3, long. 1, long. 1. Voilà. Non mais là, là, stop. Ah mais merde! C'est pas possible, ça s'arrête jamais! Je vais me chercher un truc à bouffer, hein. Terminé, there's a weapons cache in the woods. In my woods. Okay, I will search for it. Non, non, non! Let's respond received again. Fous-moi la paix, toi! Elle passe son temps à lui répondre, là. Arrête! Mais elle est folle, elle! Qu'est-ce qui lui prend d'un coup, la meuf, là? Oh là là! Oh, je peux plus. Je peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, je suis à bout. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah mais c'est pas possible. Donc ce sera lui. Donc communication. Okay, so after I've been there, I will place a flag on the telephone pole near the house. They will then know that I have a. Non, va te faire foutre. Non, 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 simple comme bonjour, non, rien, pas, pas de simple comme bonjour, meuf. Faudrait peut-être arrêter tes conneries au bout d'un moment. Hein. Tu vas finir avec une balle, toi. Hein. L'autre elle pique l'identité de sa sœur et tout là. Au bout d'un moment, ça va deux minutes. Hein. Non, on devait aller voir la Dame Blanche. On se retrouve à faire des trucs qui... Oh là 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 là, qui n'ont ni que... Non mais... On va aller chercher une cache d'armes. Non mais ça va mal finir cette histoire, moi je vous le dis. Hein. Elle va mal finir, hein. On va se prendre une balle. Hein. Ça va très mal se passer. Hein. Oh là là là. On va se prendre une balle, je le sens. Moi je vais le cramer le télégraphe, hein. Comme ça on le retrouvera plus jamais. Je suis quoi de chemin, non? Pas possible. On va en prendre par là. Ouais, je vais prendre par là. Non mais c'est vrai. Elle a déjà pris une première balle en plus, Julia. Elle est folle de repartir comme ça. Elle s'est déjà pris une balle. Elle est folle. Elle repart dans un bail. J'aurais dû tout raconter à mon daron. J'aurais tout dû lui raconter. Les gars, j'aurais parlé... Ils auraient su que j'étais Julia. En fait. Et c'était bon, hein. C'était torché, hein. Par là? Ouais, c'est par là. Mais dites-vous que quand je vais récupérer le cache d'armes, ça va repartir en noisette, là.
Ça va encore mal se passer, cette histoire. Parce qu'elle va être en mode, bah maintenant, il faut que je lui dise que j'ai récupéré la cache d'armes. Ok. What is this place? This never used to be here. Allez. Oh, it's closed from the inside. How can I get in? Peut-être qu'il y a une autre entrée, meuf. Non mais. Eh ben. Il faut qu'on retourne au pont. On va y aller. Je sais pas ce qu'on va croiser. J'ai méga faim, les gars. Je vous jure que si j'étais éligible à Uber Eats, là, je me serais commandé un McDo. Je vous jure. Un petit McDo des familles, là. Ça fait du bien. Oh, ou sushi. J'aurais pris sushi peut-être aussi. Ça fait une éternité que je peux manger de sushi. Oh, j'espère que passer par là, ça... Attends, je suis en train de me dire un truc. Parce que là, du coup, c'est la flotte. Est-ce que j'ai le droit de passer par la flotte? Oh non. Tu sais, moi, je vais me foutre au bord. Je vais croiser la dame du lac. On va discuter, puis ça sera très bien. Le bateau peut être utilisé pour accéder à des zones cachées. C'est pas possible. Petite brasse au KLM. D'air. Let's go! Oh le bordel! Oh, ce bordel! Oh, les gars, on est d'accord, le son, il est horrible. C'est un moteur, là. Parle d'une fierté. Culvert used to be covered in bushes. Someone must have worked in it recently. Oh le machin! J'ai perdu 4 d'audition déjà. Oh tiens, on va se faire buter là-dedans, j'imagine. Tunnel? Here. Wasn't there when I was younger, I'm sure of it. Super le tunnel. Il doit y avoir l'autre qui vit dedans à se prendre un screamer. Tiens, prends ta. Ton briquet dégueulasse. Hein. Marche pas? Bien dommage. There's been a whole world underneath us this whole time. Ça sent la douille de ouf, hein. Alors, au niveau de la carte, ça dit qu'on est là. On va descendre. Hein. On descend peut-être un peu trop là. J'aurais peut-être dû monter, non? Oh non, c'est pas bon ça. Oh non, bah non en fait. Ça va pas commencer. Je monte. Rien à foutre. J'ai peur qu'il y ait un gros monstre par contre.
Oula. When was this place built? I didn't know it even existed. Oula, oula, oula. Il y avait une arme là. Oh là là, on va se faire buter. Meuf, tu fais quoi là? C'est une mauvaise histoire. This place gives me the creeps. On va monter hein. This must be a dormitory, but no one is here. Who knows why? Mais elle va finir en compote, hein. Elle va mal finir, hein. Dear Brunhilde, the heat here is killing me. We have been trapped inside the tunnel. It seems that Command are preparing for something big, but they are not telling us what. The other day, we went out on patrol and accidentally shot a young girl. I will carry the weight of this guilt for the rest of my life. I love you always. The hope of seeing you again is what keeps me going. T. The soldier who shot me, he thinks I'm dead. I don't feel any resentment. We are all hurting so much. Ah bah nickel, let's go l'appareil photo. Passons un petit coup de fil, tiens. Allez hop, on s'emmerde un peu, on va appeler. Et surtout qu'on se fera pas griller. Oh, it's probably because I cut that line. Ciao. On rappelle l'objectif, hein. On a tellement pas d'infos. J'imagine faut aller par là, quoi. C'est ouf. Ah, ça y est. Finally an exit. Looks like I'm back in the woods near the house. Ah, voilà, enlève ton truc comme ça au moins ça nous fera. C'est moi il est hors de question que je reprenne ce vieux taco. Hein. Oh le vieux truc. Elle a dit quoi? Je dois trouver quelque chose pour confirmer quoi? I will pull the. I need to find something to confirm that this is in the area. And the message they mentioned using a flag. Attends. Comment ça meuf? Trouver la cache d'armes. On m'a demandé de trouver une cache d'armes. Elle doit être dans les bois à côté de la maison. Une étrange structure dans les bois. Il doit y avoir une entrée. Ouais, je comprends pas pour autant ce que tu veux que je fasse. Elle a dit que je devrais trouver un drapeau ou un bail du cil, c'est ça? Attendez. Je comprends pas. I need to find something to confirm that this is in the area. And the message they mentioned using a flag. Un drapeau. Non mais c'est pas possible. J'ai l'impression qu'entre hier et aujourd'hui, il s'est passé un monde sur le jeu. Ça on l'a fait, il n'y avait pas de drapeau. Non, le cercle, on y a été, il n'y avait rien. Là, je peux rien ramasser, il n'y a pas un drapeau, un truc à ramasser. Mais what? Si vous voyez un drapeau, n'hésitez pas à crier, hein. Le
si j'arrive à survivre dans le tunnel sans me faire bouffer, ça sera déjà légendaire. C'est un truc de ouf. Non mais... On va redescendre, hein. C'est un truc de ouf. C'est la sortie, là ? C'est la sortie. Il est où son drapeau ? Trouver la cache d'armes. Déjà, je n'ai pas trouvé la cache d'armes. Hein. Déjà, il faut que je lise le journal intime aussi. On va le lire, tiens, ça va nous faire du bien. Allez, hop, c'est le moment parfait pour lire le journal intime. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. One, I must reinvoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. Two, a part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. Three, I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. Four, to communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Ok. Nickel. Et bon, on va se focus sur la dame blanche, hein. Donc, j'aurais besoin d'un objet qui relie son monde au mien, ça je sais pas. L'amoureux, il faut qu'il y ait de la brume pour pouvoir prendre des esprits en photo. Super. Prendre des photos infrarouges, j'ai besoin d'une pellicule. Ça on a. Oh ça on a tout, trop bien, on avait déjà préparé le coup. Un objet qui relie son monde au mien, eh bien sur ma sœur il doit y avoir un truc. Il doit y avoir de la brume, mais il n'y a pas de brume là, on est foutu. Ah, couper une mèche à la sœur, c'est pas bête. C'est pas bête du tout. Attendez, est-ce que je peux reprendre le vieux taco là? Pop, 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 pop. Je peux pas le reprendre? C'est bien nul. Hein. Ouais, faut que j'y retourne au petit matin quoi. Ouais, je pense qu'il faut que je prenne un objet de Martha, du coup. Un truc qui relie la dame blanche à... Oh là là, ça va être horrible. Le collier que t'as pris au début, c'est pas bête. C'est vrai que le collier, ça pourrait marcher, mais... C'est vrai. Là, je descends, c'est pas bon. Oh là 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 là. Non mais ces tunnels, c'est un truc de ouf. Ces tunnels, c'est un délire. Tu vas reprendre le bateau, comment tu vas sur l'île du pendu? Mais je sais pas du tout. Je pense qu'après, ils pourront débloquer le bateau. Ou je remonte. Je vais faire que remonter. Hein. Les gars, j'ai tellement faim. Putain, j'en peux plus. J'en peux plus! On va passer par là.
La cache d'armes, mais on sait pas où est-ce qu'elle est, hein. Faut que ce soit un objet appartenant à Julia. Ok. On l'a fait cet endroit ou pas? This must be a dormitory, but no one is here. Who knows why? Ouais, on l'a fait, il y avait le téléphone et tout. Il y avait la lettre, on l'a déjà fait. Comment on va faire? On va sortir et je crois que c'est là la sortie. Allez hop. Ça suffit maintenant. I need to find something to confirm non. This is in the area. The message they mentioned using a flag. Non. Je dois trouver quelque chose, blablabli, blablabla, c'est bon. Ça suffit maintenant. Au bout d'un moment, les conneries, ça va 2 minutes. Hein. Meuf, t'as rien été foutu de trouver, c'est mort. La cache d'armes, non, là, c'est abusé. Non. Moi, je suis pas d'accord. Donc, il faut prendre la brume, ok. J'aurais besoin d'un objet qui relie son monde au mien. Ouais, donc le monde des morts au monde des vivants, effectivement. Donc, c'est pas du tout quelque chose en rapport avec... Ah oui, pas du tout. Est-ce que de passer par là... Attends. Ça nous fait remonter. Toucou. Ouais, c'est bon. Moi, je veux remonter, savoir ce qu'il y a. Bon, en fait, finalement, je remonte par là. C'est complètement idiot. Ouais, ben... Très bête. Bah, je comprends pas le développement, effectivement, de cette séquence de gameplay. Je la trouve pas incroyable. Hein. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs endings dans le jeu? J'imagine que... Attends, les tombes. Here are the graves. I should wait for a foggy dawn before I photograph them. This will increase the presence. Ah, elles sont là, les tombes. Ah, il faudrait qu'on s'en souvienne, les gars. C'est là. Vous allez vous en souvenir ou pas? Oh, c'est là, à côté des meumeux, là où il y a les briques. C'est pas si loin de chez nous, hein, mais... Faut s'en souvenir quand même, quoi. Ok, donc on y va. On va aller voir s'il n'y a pas un truc à nous. On va remonter. On va voir ce qu'il y a. Oh non, pour l'objet, c'est près de la rivière. Sérieux? Putain. Ah, envie de canner. C'est vrai? C'est vraiment près de la rivière? Le corbeau. Maybe it's the same raven that killed that poor sparrow. I hate bullying. Yet it seemed as if the raven wanted to bring the little bird back to life. Elle est là. Oh là là, ça sent le bail, il faut le suivre. Là, ça sent la douille. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça y est, là on passe en mode horrifique. Dress. It's made from the same fabric I found a shred of next to the lake. In fact, it is torn. It must be my mother's. My goodness. Attends, qu'est-ce que ça fait là, ça daronne? I started to suspect that Mummy could have been involved in Martha's murder. Lost in these thoughts, hours passed, and I completely forgot about the funeral. Oh, la paume, elle oublie les funérailles de sa sœur. They were already carrying the coffin towards the cemetery. She never loved me, I knew that well. But I would never have believed that. Had it been her, I struggled to believe it. But it made so much sense. Donc là, elle se demande si c'est pas sa mère qui l'a buté. Martha was me because she was convinced that I was dead.
Mais non. Mais non. When the funeral ended, I felt an irresistible urge to play. I loved music. I started playing without thinking about the possible consequences. I didn't care anymore. I needed to feel alive, to exist again. Oui, il n'y a pas de musique du coup. Parce que vu qu'il y a le mode streamer, forcément, on n'a pas de musique. What's going on here? Julia? Is that you? No, it's not possible. Martha's never played. She's deaf, yet... No. This is madness. My God. So, Martha? I understand now. You can get all of the attention, right? You were jealous, weren't you? Because she was a wonderful girl and you're just a useless little slut. On est en train de se faire inciter par la daronne, là ? I get it now. But she talked to me. I no. It doesn't make sense. I will have you locked up in an asylum. You hear? That's enough. You will pay for what you've done, you cursed lunatic. They will torture you to reveal the monsters in your head. Mais elle va pas bien, la daronne, ou comment ça se passe, là? Ah oui, d'accord. Tu m'étonnes que... Oh là, tu m'étonnes... La mère, elle aimait vraiment pas l'autre, hein. On est sur un bail de mensonge, quand même, qui est assez ouf. Ses mots étaient aussi sharp que blades. J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas moi. J'ai montré les photos que j'ai développées qui prouvent mon innocence. Mais elle a été encore plus angry, appelant-moi crazy, et puis... She began to hit me with everything she had at hand. I closed my eyes as more darkness began to take over in me. Memories came flooding back. Not memories of actual past events, but more so of feelings. Feelings I had when I was little. They were scary. They were the fears of a little girl. Despite what had happened, I went walking in the woods early the next morning to meet the lady. The evening before, my father had tried desperately to console me. Talk to me, Julia. You know I love you. I just want to understand what happened. I am happy you are alive. Even if we have lost Martha, your mother was just in shock. Ta mère était en état de choc, elle l'a quand même frappé et tout, quoi. Elle voulait pas te faire du mal, moi je trouve que c'est un petit peu, si je puis me permettre, un petit peu simple hein, comme phrase. Le fameux « elle voulait pas te faire de mal », ça va. Je ne sais pas ce que j'espère trouver, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais espérer voir si l'une de ces graves est hiding quelque chose. J'espère que le film infrarouge me montrera. On est bon? Pas de lentilles infrarouges? Je vais me prendre un sale truc. Et là, je fais quoi? Ok, ouais, je retourne à la maison pour développer les photos. Mais par contre, la daronne, elle a démonté sa fille et tout, et elle est en mode... Non mais horrible! Ah, j'en reviens pas. Après, l'autre, elle est pas douée aussi. Elle se met à jouer du piano alors que la sœurette, elle est pas censée jouer du piano vu qu'elle est sourde.
Donc bon, pour le coup, ça n'a pas été fou. On aurait peut-être pas dû faire ça. Ah. Super. Par où je passe, moi, maintenant? Par où je passe? Bon, j'espère que la grille, elle est ouverte. Attends, on est d'accord, hein, je dois passer. Ouais, c'est ça, hein. Voilà, oh, tout fermé en fait, la daronne. Je peux plus passer, c'est ça? J'ai plus de vie, elle m'a renié et tout, c'est fini là. Attends, mais tout est fermé? Comment je veux passer moi? Attends, il y a tout qui est fermé là. Bah. Mais qu'est-ce que. Attends. Bah ouais, développer la photo. Je veux bien, mais... Tout est fermé, comment je fais? Ah ouais, il y a une zone, c'est vrai, on peut passer. Là où il y a les fûts et tout, là. Mais c'était par où, ça? Ah mais c'est en... En descendant? Oh, je sais plus où c'est. Si, si, il y a une autre entrée en bas, effectivement. Là où il y a les fûts. Juste, il faut se souvenir par où passer, quoi. Je sais pas si c'est ça. Ça, et après à gauche. Ils sont morts ? Oh no, the fence has been destroyed. Oh non. Oh non, les pauvres. Ils ont été tués. Oh là. Nazi fascists at the stake. What? Who could have done this? What did these poor creatures have to do with anything? Ta gueule. Mais c'est horrible. Oh, c'est horrible. Merci beaucoup Mathieu pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est horrible. Bon, c'était où le tonneau avec le truc? Oh, j'en reviens pas. Oh, ça me fait mal au cœur. C'est là, je crois. Ouais, c'est là. Mais il y a la daronne, elle va nous défoncer. On va se faire démonter. Hein. Encore de nouvelles lentilles. On va les prendre, ça sert. If it were to snow, it would be perfect. The green filter, useful for landscapes. On va voir du coup si on a quelque chose. Oh ! Ta gueule ! Merci Denver pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui apparaît sur la photo là. Oh, ça y est, l'angoisse. Oh, le jeu d'horreur, ça y est. There's the grave I've been searching for, and the spirit of a prisoner. Just like the White Lady, he's trapped in this world, but they can no longer meet one another. Evil is separating them. Yep. Donc maintenant... Super les photos, hein, vraiment nickel. Hein. Condition nécessaire, l'amoureux. Trouver la bonne tombe. Bah, je pense qu'on l'a trouvé, c'est bon, on va y aller.
Et après, j'ai besoin d'un objet qui nous relie. Problème, ça. J'avoue que par contre, elle réagit tellement de manière calme. Vous pouvez développer la photo trouvée dans la cage d'armes. Ah oui, c'est vrai, ça. Il y avait une photo, ouais, qu'on avait trouvée. Effectivement. On va aller voir. Il y a peut-être un bail dedans. C'est ça? C'est peut-être ce truc chelou, non? Je sais pas ce que je dois développer. Non, attendez. Il faut qu'elle prenne d'autres pellicules, non? Je sais pas comment on fait. Bon, bah, on va sortir, on verra après. Il faut un truc qui nous relie. Donc si c'est à la rivière, let's go. Qu'est-ce que ça peut être à la rivière du coup qui nous relie? Donc là, faut que je retourne voir l'amoureux. Quelle angoisse. Il est là, c'est ça? Ouais, il est là. On va se prendre un sale screamer, hein. Jumpscare ou je sais pas quoi, j'ai trop peur. Attendez, est-ce que je vais être par... Ah, je me disais bien. C'est à gauche. Donc là... On est d'accord quand tu vas regarder l'album. Pas du tout ce que je voulais faire. C'est celle-là, la tombe, là. Ouais, de toute façon, c'est notifié. Attends, elle va quand même pas le déterrer. Ah, il y a une croix. Je t'en mets d'attendre, on va quand même pas... It should allow me to make contact with her. With this object, she'll have to hear me. I have no doubt. I'm missing the element that connects my world to that of the White Lady. Oh, the lake. Of course. Le lac, c'est évident. Elle te dit ça, tu sais, comme si c'était genre... The dress that I threw in the bushes that cursed day. It's been sitting beside the lake for a few days now. In a world that is both mine and hers. Meuf, elle te dit ça, c'est une évidence. Elle est en mode, oh, le lac, mais oui, bien évidemment, là où j'ai jeté mes affaires. On y va. Hein. Oh, ce truc-là, j'ai envie de give up. Hein. On trouvera jamais. Ok, donc là, c'est par là. On y va. I need to find something to confirm that this is in the area. And the message they mentioned using a flag. Elle dit, je dois trouver quelque chose dans les environs. Le drapeau, on le trouvera jamais. Il faut laisser tomber. Hein. Par là qu'on a vu la Dame Blanche la première fois, non? Je sais plus. Donc là, c'est du tout droit. Ouais, le jeu, il est à 29€. J'espère qu'elle va trouver sa robe. Hein. Surtout qu'après, on doit y aller en bateau. Comment on va faire? Est-ce qu'on va pas pouvoir y aller à la nage au truc? Attends, elle est là, sa robe? Ah, il est de nouveau là, le bateau. Nice. Et hop là. On va se faire bousiller. Here it is. I hope it works. Elle va nous couper en deux, la Dame Blanche. Ça va mal se passer, je pense. Now that I have everything I need to communicate with the lady. Ok, elle peut aller sur l'île maintenant. On y va. Oh, le vieux taco qui va recommencer. Ah, ça va être horrible. Ça va être infâme.
Bouchez-vous les oreilles. On repart avec Taco. Aller là. Ah. Nickel. Impeccable. Maintenant qu'on n'a plus d'audition, on peut y aller. J'ai l'impression que l'ambiance, elle a changé d'un coup. This is the tree the lover was hung from, according to the legend. Allez hop. On va quand même pas lui jeter un caillou en mode vas-y viens. Tiens, 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 une pellicule qui est tombée au sol. Tiens, tiens, tiens. A roll of film. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. It should contain shots from before that moment. With the bit of preuve. One of the shots has captured the moment of Martha's murder. I will then finally have an answer. Was it really Mummy? I will develop it as soon as I can, but now it's time to speak with the white Allez, lady. Allez, faut parler à la dame blanche maintenant. I will wear her lover's cross to draw her to me. On va couper les cheveux. Allez, quick. A lock of my hair. Intérêt à ce que ça marche, hein. To enter into her world. I will use the tarot cards to communicate with her. The Donc first 10 will be used like I did with Nanny. Once two cards have been chosen, it should begin. Oh là là. Comment elle me fait peur. You camouflage yourself in the woods to approach me. You blend in with the water to make yourself known. You wish to communicate with me through the energy of symbols. You use my pain to summon me. Like ça, c'est pas gentil. You are very bold. You call upon me for knowledge that I do not possess. For answers I do not have. I am only a vessel, like water, like air, a vessel to move and breathe. It worked. Now I need to choose two cards. Allez, choisissons deux cartes, hein. Celle-ci. Et celle-ci, tiens. The daughter, the house, the mother. The daughter comes from the mother's house, then makes herself a home and becomes a mother. This cycle is broken.
To undo the knot, find the sun. He is the original sin reflected on you. The one who gave you the light wishes to take it back. She wants control. Bit by bit, she is crumbling your life. You have to stop her. Nickel. I can sense that you want to know who did it, but I do not have the answer. You must find it yourself. Do not ever try to enter through the front door if you wish to reach the heart. Your twin sister might have the answer you are looking for. Even after death, we leave traces of ourselves, don't we? Everything is indefinite if you look at the essence of things. Mais comment ça, par contre, trouver le fils? Parce qu'on n'a pas de frère, nous, dans cette histoire. You will no longer be able to tell light from darkness. In sorrow, the difference is so subtle. You are alone, and you will remain alone. Memories are abandoning. They are your only true companions. Now they take the place of your happy childhood, and they may return to keep you company. You do not have control of yourself. There is a dark figure inside you. The wounds are feeding it. It will do things you do not like. It will use your desires, your guilt, the darkest parts of your conscience. Part of our soul embraces the people we love. It is then torn away from us. Oh non, il manque de sous-titres. When people disappear. The wound is deep and it cannot heal. Faith vacillates. Death causes fear. But the church is a safe place. L'église est un endroit sûr. It is home and mother to its children. Faith is the light. Do not lose it. Finding it again is almost impossible. I lost it in sorrow, and without time, I am lost in the dark. Je le savais. Je le savais. Je me suis dit depuis tout à l'heure, elle nous parle en mode gentil et tout. Il va y avoir un moment, elle va nous choper la Martine. Ah, je me suis dit... Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On est mort? Elle nous a buté, là? Ou elle a juste arraché le collier? Oh, fuck. On n'arrive pas à remonter à la surface. Quoi ce bordel? Un avion. On peut pas remonter à la surface, hein. Ok, on va remonter, je pense, là.
Même pas. J'ai trop peur qu'on se prend au screamer. Oula. Qu'est-ce que c'est cette histoire? La clé. C'est peut-être la clé de la boîte à bijoux là. Vous savez, de la boîte de Martha là. Peut-être que c'est la clé de sa boîte, hein. Speaking with the White Lady confused me even more, but at least now I have this key. Ça m'a tellement troublé que ça fait laguer le PC. Ah, let's go. Oh, j'espère qu'on va en apprendre plus là, qu'il y a des trucs de ouf dedans. Ah, il y a une lettre. July 16th. Dear sister, I entrust my secrets to this letter. If you are reading it, things have gone as I thought they might, and I'm no longer there. Comment ça? First of all, I am not deaf and I never was. Oh, la sœur, elle a jamais été sourde. Mother scared me when we were little, so I decided not to speak or listen anymore. It worked. In fact, mother began to love me. They also found a scientific explanation for my deafness. Neurological damage caused by excessive pressure exerted by the twin during pregnancy progressively led to hearing loss. And like that, my decision was also transformed into a fault of yours. So I must put it right. Do I have any other secrets? Unfortunately, yes, but a letter is too cold for such matters. Now that you know that I can speak, please go to the dark room. I have a hidden recording. Listen to it and you will hear my voice. Farewell, Martha. Why all of this madness, Martha? What else have you been hiding from me? You deprived me of your voice for more than 15 years. I can't wait to hear it now. Donc la sœur, elle était pas du tout muette, quoi. On va écouter. Elle a caché un audio, elle a dit. Hi, Julia. I know that this will seem absurd, but this is me and this is my voice. We are equals in this sense, too. Well, it's obvious, really. I've basically always spoken and you were my voice. I'm going to meet my fate, so I don't want there to be any more secrets between us. D'accord. I have to tell you. Pregnant with Lapo's baby. We had sex and attends, I never elle est enceinte, mais elle aussi ou pas? I was so afraid of hurting you. I'm so ashamed. And now, how can I ever bring this child into the world? The baby is starting to show. Could you tell? That's why I'm no longer getting undressed in front of you. But for how much longer can I hide it? Yesterday, you asked me to go to the lake together early in the morning. You, the sleepyhead. Early. I asked you to switch beds with me, like we used to when we were little girls. I got up at dawn and didn't wake you. I put on one of your dresses. Ah, elle a fait croire comme ça du coup que... Attends. Et du coup, c'est là qu'elle a fait croire que Julia était enceinte alors que pas du tout. Je pense. I wrote a card to mother telling her that it was you who was pregnant, not me. And to come and see at the lake. I left it on the desk in her room. Elle est dégueulasse d'avoir fait ça. Chère mère, c'est difficile, mais j'ai quelque chose à te dire. J'ai découvert que Julia est enceinte. Là, je me souviens de ça. D'accord. Ensuite. Parce que là, j'ai la carte dans la main. C'est stylé, mais range-la. Je l'ai lu cette carte. On peut avoir autre chose ou pas? Ah, le tableau, il n'y a plus rien de dessiné dessus. Ah, c'est genre je la repose. Okay. Non, j'avais pas vu son là.
J'avais pas fait gaffe qu'ils étaient là. L'angoisse. Ok, elle reparle de la chambre noire, du coup j'y retourne. Oh là là. Ah oui, j'incarne Martha là. Everything you never had the courage to tell her. I will be your voice. I know how much she's made you suffer over the years. Unlike you, I remember all of the harm she has done to you, and it is my fault. Take my place, sister. You will live a better life, and I will be able to rest in peace, knowing that I at least tried to put right what I have done wrong. I will go now. My last memory will be the image of you sleeping peacefully. Attendez, c'est pas possible. Hi, Julia. I was upset, unbelievably upset. July 16th, that cursed day. Martha didn't wake me up. Donc là, c'est un souvenir encore. Effectivement, l'armoire, elle est ouverte. Ta gueule. Merci Delta pour ton prime. Comment tu vas? C'est un plaisir de te suivre. Merci beaucoup. Merci pour ton deuxième mois d'abonnement. There was a dress missing from my wardrobe. Martha wasn't there, and we were supposed to go to the lake together. She even made her bed, which was unusual. I thought Mother woke up early, despite her medication, and asked her to do something. Okay. Est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que je peux checker la fenêtre? Martha hadn't woken me up as we had agreed, and I always overslept. Mm-hmm. I simply decided to go out and take the photographs by myself without Martha. Elle est sortie prendre les photos seule. Mais attends, dans ce cas-là, c'est la mère qui l'a butée vraiment ou pas? Mais what? On va le savoir là, je pense. Hein, ça y est. Je déverrouille ça. On y va, hein. Là, c'est le jour de la mort de Martha. It was a foggy morning, but it was no longer dawn. It was a sign of something terrible. Donc là, je vais au lac. Okay. My mother had killed her beloved Martha with her own hands. I had then taken her place, usurping the throne of her affection. She would have never forgiven me. I had real reason to be afraid. Donc sa mère a buté sa fille. Donc Martha, depuis le début, en fait, n'est pas du tout sourde et muette. Elle fait croire qu'elle l'est. Comme ça, elle a arrêté de supporter les cris de sa mère. Mais vu que du coup, tout le monde a dit que c'était la faute de Julia, elle s'est dit, je vais me foutre en l'air, quoi. What a stupid little girl I was. Hola. In spite of everything, that roll of film still needed developing, even if it didn't prove she was guilty. I also wanted to search for proof of Martha's pregnancy. Ça va, on va shoot la mer. Hein. Nouveau chapitre, le cimetière. Almost five German divisions face the troops of the 8th Army. Units of an Indian division cross the river Pesa on a vast front. And they advanced. When it's not too sunny outside, the 200 ISO film works well. 400 ISO film. It comes into its own shooting clouds and indoors. Near La Romola, the Michelangelo telegram. I'll leave it in the letterbox. Have a good day. Another telegram of condolence. Isn't it a bit late?
Vous avez du courrier. Bah, on va le lire, ça serait con de passer à côté. The New Zealanders conquer Tavernelli. In the eastern sector of the battlefront, the troops of the 2nd New Zealand Division, British 8th Corps, conquer Tavernelli. The 6th South African Armored Division advances on the heights near Greve, conquering the peaks of the Domini and Philly Mountains. The 4th Division reaches San Giovanni. Donc on a eu du courrier, on va aller voir. Il est où le courrier? Ah là. Dear Mrs. Irene K, following your call, we have received a telegram from Dr. D. Your request has been accepted. As soon as the police station issues authorization, we will send for the girl. While we wait, to avoid the girl taking any extreme actions, as per the fears you have expressed, we ask that you trust in the advice of her treating physician. I thank you for your generous and charitable donation to our institution. Director S. Volterra Psychiatric Hospital. Telephone 0782. Now that she has discovered everything, she wants to lock me up in an asylum. Maybe even worse, she wants to kill me and have everyone believe it was suicide. She is preparing all the finer details. Donc la daronne, elle veut la faire interner. Oh, let's go. Quelle bonne ambiance. Go to the dark room now. Not when she's around. I must stay as far away from her as possible. I could go to the cemetery instead to find out whether Martha really was pregnant or not. Ah là, on trace au cimetière. Vas-y, on y trace, hein. Oh, mais quelle angoisse! Ah, le cimetière, on a dit qu'il était là. Oh non, mais sans déconner. Donc en fait, je récapitule les faits. La mère, donc de base, Martha, n'a jamais été sourde et muette. Elle l'est devenue parce qu'elle n'en pouvait plus entendre sa mère tout le temps hurler. Du coup, elle a préféré se taire et faire la sourde pour que sa mère la laisse tranquille. À force, sa mère a été persuadée qu'elle est devenue sourde et muette, si c'est bien ce que j'ai compris. Et du coup, les docteurs ont dit « Ah bah oui, effectivement, elle l'est. Ça doit être dû au fait que Julia, vu qu'elles sont jumelles, en fait, bah, dans votre ventre, elle exerçait une trop grosse pression et tout. Donc du coup, c'est en gros, c'est de la faute de ce bébé-là, quoi, si Martha est sourde et muette. » Et donc sa mère, il y en a toujours voulu à cause de ça, j'imagine. Du coup, Martha était la chouchoute, mais Martha était enceinte. Martha a fait croire à la daronne que c'est Julia qui était enceinte et pas elle. Et le jour de l'accident, elle a mis la robe de Julia. Elle a dit les quatre vérités à sa mère. Sa mère l'a butée, apparemment. Et moi, ce que je trouve un peu gros, par contre, c'est le côté, maman, elle t'en veut, du coup, pour une erreur que, en fait, t'as jamais faite. C'est moi qui ai menti depuis le début, quoi. Je suis un peu en mode, bon... Genre, ça va loin, quand même. Ça va très loin. Mais elle est où, sa tombe, à la fille, là, en fait? Elle est morte où? Parce que moi, je suis en train de me barrer et tout, mais... Vous pouvez désormais utiliser le téléphone. Note étrange, je vais examiner le cadavre de Martha au cimetière. Bah ouais, mais où ça? Moi, je pensais que c'était ici. Du coup, c'est pas là. T'as un numéro cimetière. Ah ouais, le micro, il lag? Non, faut que je passe un coup de fil. La scène du cimetière est difficilement supportable. C'est juste une prévention pour le chat de Kiki, bien sûr. Ah ouais? Oh merde. Ah bah ouais, t'as bien fait, Amy, de prévenir, du coup. Bon bah, les gens, s'il y a des personnes qui sont sensibles et tout... Mais moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Si vous êtes grave sensible et tout, eh ben, regardez pas. Genre la scène qui va suivre, parce qu'on va la faire, là.
Donc regardez pas la scène qui va suivre apparemment parce qu'elle est difficilement supportable. Donc faites juste attention à vous. J'ai pas envie que vous soyez choqués ou quoi que ce soit. Donc faites attention, ok? Ouais, ouais, ils sont en plus de 18 là. On va passer le col au cimetière, on va voir. Il est où le téléphone? Ok. Moi, j'ai détourné les yeux en faisant les manips. Ok. Oh la vache. Cimetière 6537. Hello, it's at NAK. Je me fais passer pour la daronne. Yeah, what do you want from me? I'm sorry to disturb you. I just wanted to know if I can come over to see you later today or tomorrow. Of course not. Do not come looking for me anymore. Stop bothering me, you bitch. He must be going crazy. I don't believe for one second that Mummy would let him treat her this way. Sheer madness. Je rappelle du coup 6537. Donc là, faut que je gueule. Je vais rappeler, je vais gueuler. I've already called this number. What use would there be calling? Elle veut plus rappeler. Mais comment on fait? Attends. Ah bah merde. Docteur peut-être. 6593. Pour le cimetière, il faut que tu prennes la longue route en face de la maison et tu vas arriver à un portail. Ok. Donc je peux y aller comme ça? Oh, si je peux y aller comme ça, c'est propre. Donc j'imagine la longue route, ça doit être ça. Attends, la longue route, tu me dis laquelle? Du coup, celle-là, la grande route de la maison, là? Celle-ci? C'est dans la bonne direction, ok, ça marche. Juste par contre. Ils sont tellement mal. C'est super gentil de prévenir par contre que la scène qui suit va être choquante. C'est cool. De prévenir, hein. Pas genre c'est cool que ça va être choquant. Hein. Martha is in the family crypt. That place is scary. La crypte familiale, cet endroit est terrifiant. But Nanny told me we used to go there when we were kids to see who was brave enough to go down the stairs. No one would ever go further than the first two steps. Now Martha's down there. Sur PS5, c'est censuré. In the dark. She must be frightened. Ah ouais? Mais il est sorti le jeu sur PS5 finalement? The crypt is here. Not now. Pas maintenant. Oh non, putain, va pas prendre une tenaille et ouvrir ta sœur. Le corbeau.
La peau. I should water the plants. No one will do it. The caretaker clearly doesn't care. Il y a un arrosoir. Faudra un arrosoir du coup. Sinon on verra après, mais... Ta gueule. Merci beaucoup Imrika pour ton 3e mois d'abonnement, merci infiniment. C'est très gentil. Comment tu vas? Merci beaucoup. This door is locked, but I must get in. Maybe I can find something around here to break the lock. Trouver quelque chose pour casser la serrure, la tenaille qu'on a vue tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien trouver un truc pour arroser les plantes pour la peau. Ah là, l'arrosoir. Now that I have filled the watering can, I can water the plants. Oui, du coup, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de lire. Est-ce que le jeu est sorti sur PS5, en fait? Ou pas encore? Lapo, if you were in front of me, what would I say to you? That I'm angry because you were sleeping with Martha. No, I'm not angry. I'm sorry that you kept everything hidden from me. It stings a little, perhaps, but faced with your loss, everything is now meaningless. I'm happy that they buried you here. We'll be neighbors. I knew that Daddy would allow it, even if you were fighting with the partisans. For him, this war is a stranger as it is for me. Goodbye, Lapo. We will meet again soon. It's time to look for Martha. Du coup, on a la tenaille. Enfin, on a vu la tenaille. On va la récupérer maintenant. Donc, ok, il est sorti sur PS5. Ça marche. These are perfect for breaking the lock. I should hurry before the caretaker comes back. Ok, la scène sur PS5 est censurée. Sur PC, elle n'est pas censurée, on n'est pas dans la... Après, j'ai activé le mode streamer, peut-être que ça va censurer la scène, on ne sait jamais. Enough. I can't go on like this any longer. I can't go on pretending nothing happened. My family was slaughtered by these dirty Nazis. My daughter wasn't even buried, and I had to bury that half-blood instead. An Italian family that got cozy with the dirty Germans. Bastards, that's what they are. What am I supposed to do with my life now? I want to end it, but not without taking a few Germans down with me. You won't see me anymore. But you will hear about me. Long live the resistance. Viva Italia. Okay. Instructions for the automatic telephone machine. For example, if you wish to call the number 0573, pick up the telephone from the hook and bring the receiver to your ear. You will hear a continuous tone. Firstly, place your index finger in the hole displaying the number 0. Ok, vraiment un truc pour nous montrer comment le téléphone il fonctionne quoi. Let the disc return freely to its resting position. Repeat the same steps for the numbers 5, 7, 3. Ok. Donc là, faut juste que je trouve en fait la tombe de Martha. Enfin, le caveau. Ah bah tiens, il y a des escaliers, je pense que c'est là. Family crypt oh non. Is locked. The key must be in the caretaker's hut, as always. La cabane du gardien. C'est la cabane du gardien, du coup, qu'il y avait à droite, non? Enfin, j'imagine.
Everyone takes a side. I find myself siding with my family, but I'm not sure whether it is right. Elle est où la cabane du gardien? Ok, au moment où elle descend dans la crypte, c'est juste après, ok. Grave without a name, a life without memory. I pray for you, whoever you are, man or woman, young or old. Does it make any difference? Tu l'as raté. Et merde, c'était où? J'ai peur de me faire ban Twitch là par contre, moi, avec cette histoire là. Il y avait un panneau contre le mur, je crois. Ah ouais? Peut-être pas vu. Hein. Ah, effectivement, je ne l'avais pas vu. Bien joué. Ok. À partir de maintenant, du coup, les amis, pour apparemment pour bah, les personnes qui peuvent être sensibles ou quoi. Vous cachez votre écran, sans déconner. Je rigole pas là-dessus, par contre. Si la scène est trop choquante, j'enlèverai. Mais... Ok. Donc les gars, vous faites attention. S'il y a des personnes qui sont sensibles, vous cachez l'écran. Vous regardez pas. Ok. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? May God forgive me for what I'm about to do. I also pray that you, Martha, will forgive me. Laissez-la fou là. Attendez là, je pense que ça va être là et je pense que ça va être dérangeant. Je pense que là on va avoir un problème. Je pense qu'on va avoir un problème les amis, on va voir, mais... En fait je suis en train de me dire que je me demande là si elle va pas lui ouvrir le bide. Oh là là, moi ça me dérange là. Oh là là, putain. Thank you.
true, Martha was pregnant. Pregnant with a deformed fetus with two heads. Twins again. They always said that it ran in the family. I was all the more shocked. I was doing things that I had never done before. I do not know what force was moving me. I became unstoppable. I decided to photograph the horror as evidence to show my mother and to Mais everyone. Non, mais arrête. Who knows why? T'ouvres pas le bide de ta sœur comme ça là, tu Putain, elle est morte la meuf, elle lui ouvre le bide, elle la prend en photo maintenant avec le fœtus. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Là, par contre, sans déconner, Julia, faut qu'elle aille se faire... Là, elle mérite de se faire interner. Là, sans déconner, je suis sérieuse, elle mérite de se faire interner. Là, sans déconner, ça va trop loin. Je reviendrai pour te réparer. We will spend so much time together. I love you, Martha. C'est pas possible. Doctor, I must thank you for your help. I wouldn't know what to do without you. Even our own dear Donatilio seems to not understand the situation. Irina, please, consider the idea of leaving Italy as your husband suggested. It would be better for everyone, especially for the girl. I fear that nothing will make her better. Her father doesn't want to accept it. I believe that hope is long gone. I agree, but in Germany there are better treatments in specialized clinics. The asylum is a temporary solution, just to ensure that she doesn't do anything foolish. But it's a nightmarish place. You know that all too well. You cannot possibly want this for your daughter. Of course I don't. But what can I do? She is a danger to herself, to us, to everyone. One of Eric's guns has also disappeared. She must have taken it. Ouais. Who else could it have been? I am so scared, Doctor. I cannot wait any longer. Also, you know what they think of Italians in Germany, don't you? But you en parallèle, t'habitais ta fille, tu le sais très bien. An esteemed general. Everyone will respect you. That cursed girl. Where could she be? Let's hope she doesn't play any more foolish stunts. I'll wait for her here, in the cellar. Sooner or later, she'll go to the dark room. That's for sure. I would gladly stay and keep an eye on her, but I must rush to town to organize the last few things for her hospitalization. Thank you, Doctor. Don't worry. We'll see you later. Ah, la daronne, elle attend. She's sleeping. I must take advantage of this. Ouais, genre, elle dort. I'll make her talk. She will reveal the truth out of fear. She thinks I can be silenced by calling me crazy. But unbeknownst to her, I will record everything. Everyone will know what you have done to your own daughter. Vas-y, enregistre, meuf. Elle lance un enregistrement. I would make too much noise and wake her up. Eh ben, je fais quoi, du coup? Elle va lui parler. Là, elle fait juste de l'enregistrement. Ça va mal finir. J'ai un flingue et tout en plus, ça va mal finir. J'ai une bousillée le bide de ma soeur. Oh là là. Elle va... Mais qu'est-ce que... Now I will wake her up and she will confess. You can bet on it. Mais meuf, faut arrêter là, t'es complètement timbrée. What are you doing, my daughter? Why do you want to ruin your life? I'm sorry. It wasn't me who just shot Mummy. It wasn't me. Dear God, what have I done? She forced me. She killed Martha. Mais elle est malade. Believe me now. They will take me to the mental asylum. Those rolls of film are my only hope. Mais ça se trouve, la daronne, elle a jamais rien fait. C'est elle, elle est complètement timbrée. Hein. Keys to my childhood bedroom. I could have guessed. Oh là là, ben là, l'asile psychiatrique nous attend. L'asile nous attend. My God,
Sooner or later, more bombs will land here. Then everything will come to an end. Marche plus la pièce, là? Oh, la couffaine. Damn, the power is out. It's impossible to develop that roll of film. Pas de courant. At least now I finally have the keys to my old room. But why was it locked in the first place? Oh là là. Finally, I can enter my room. Oh mais meuf, elle est complètement barjo. It's like being a child all over again. I used to play with the puppets by reenacting what was happening in my life. To clear my mind. I want to do it again. At the beginning of any puppet act, there was always the legend of the White Lady. Otherwise, the scenes I was reenacting were worthless. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. A lover's nightly tryst by the lake. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Oh, what a beautiful moon tonight! My love is not here yet. I'll wait. You're here at last. Il a placé cette marionnette dans le théâtre. Ok. What's going on? Why are you acting weird? Je sais que tu en as embrassé un autre, tu m'as trompé. What? You cheated on me. Je ne ferai jamais ça, je t'aime, tu es folle, je ferai jamais ça. I would never do that. I love you. I love you too much. The thought of you with another drives me insane. That's why you have to die. What did I do to you? Déjà raconter l'histoire de la Dame Blanche comme As à un enfant de son plus jeune âge, c'est pas bon quoi. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. Y'a rien qui va dans cette baraque. Rien. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, takes the life of a young woman whenever events take her back to that sad day. Now I can begin. First of all, let's clarify what happened the night before the cursed 16th of July.
Ah, donc ça c'est Martha. C'est écrit de toute façon, je suis con. Dad says we're losing. What will happen if we do? Will we go to Germany? Did you see Lapo yesterday? I saw him leave the barn. Weren't you there? Do you want to come with me to the lake tomorrow? I want to take some photos. Let's go at dawn. Mummy sleeps heavily anyway. You know she's been taking that medicine. Wake me up! Donc ça c'est la veille. Sure, great idea. Yes, it happened like this. Then in the morning, Martha went to the lake pretending to be me to show her pregnancy. She knew Mother was going to follow her down. Now I can only guess what happened when they met at the lake. Comment ça, se déshabiller, prendre votre couteau, parler peut-être, non? Hello, mummy. Ah oui, c'est vrai, elle faisait semblant de parler du coup. Bah, enfin, elle parlait quoi. Prendre la canne, non pas. Hi, Julia. Que me veux-tu? What do you want from me? Parler. Enlève tes vêtements. Bah non, comment oses-tu me parler ainsi, vas-y. How dare you talk to me like that? Je voulais pas être mal poli, vas-y, on va faire ça. I'm sorry, mummy. I didn't mean to be rude. No, Martha couldn't have possibly tried to be nice to her. C'est quoi prendre votre couteau? C'est direct instant? Chut. Prendre la canne et la combat. Ta 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 ta. No, this is too simple. It can't have happened like this. Ah,
Hello, Mummy. Hi, Julia. On va passer ça pour que ça aille plus vite. Vas-y, je vais lui montrer du coup que j'étais enceinte, parce que oui, c'est vrai. Elle pouvait sinon juste montrer son bide, hein, elle est pas obligée de se foutre à Walp. Et donc bien enceinte, ça sert à avoir raison. Prendre un bain. Quoi faire, prendre un bain? Oh bien au moins je me suis amusée. Vas-y, prendre un bain. Déshabiller et entrer dans l'eau. Sors de l'eau. Que ça fasse conflit quoi. Vas-y, je vais sortir de l'eau. J'aurais dû dire je fais ce que je veux. Ça me paraît trop simple. Tu veux me faire du mal? Do you want to hurt me, mummy? Utiliser la canne. Dum. Dum. C'est trop Dum. Simple encore. Dum. Dum. Elle a été retrouvée dans l'eau. Very valid to me, but anything could be true. C'est pas possible. Vas-y, dessape-toi direct. Bah oui. Ah ouais, elle est morte habillée. C'est vrai qu'elle était sapée. C'est vrai qu'elle était habillée. T'es bien enceinte, ta sœur avait raison. Attendez. Your sister was right. Prendre un bain, vas-y, vas-y, je prends un bain. Et là, la daronne sort de l'eau, prend la canne, vas-y, se déshabiller et rentrer dans l'eau. Mais je vois pas ce qu'elle foutrait à se dessaper et rentrer dans l'eau. Martha, elle a été retrouvée habillée. Noyer Martha. Ça n'a pas de sens. C'est vrai que les vêtements de la Taronne, ils ont été retrouvés aussi. C'est très bizarre. This definitely didn't happen. Martha had a scar on her forehead. Elle avait une cicatrice sur le front. Je comprends pas. Pour vous, c'est quoi? Parler. Je veux dire bonjour. Hello, mummy. Enlève tes vêtements, je veux voir ton déshonneur. Take off your clothes. I want to see your shame. Pas question. No way. Elle était habillée. Je vais te l'arracher cette robe, petite imbécile. On va voir. Ça a dû partir en latte comme ça, je pense. Qu'est-ce que tu me veux? What do you want from me? Bah ouais, non, mais non, c'est pas possible. Prends le couteau, vas-y, let's go. Que comptes-tu faire avec ce couteau? What are you going to do with that knife? Je vais te tuer ou utiliser le couteau? Je fais quoi? Je mets quoi entre les deux? Ok, faut la provoquer. Ça marche. I'm going to kill you. T'es folle. You're insane.
Parler ou utiliser le couteau? Je fais quoi? Je parle, on est d'accord. Parler, ok. Laisse-moi tranquille, tu n'es qu'une vieille femme. Qu'une pauvre vieille femme. T'es folle, tu le sais. Je mets quoi, là? Un ou deux? Deux? You are sick. You are insane. Do you realize that? Prendre la canne. Pourquoi elle prend la canne là? Ça repart en latte. Tu veux me faire du mal? Vas-y. Do you want to hurt me, mommy? Utiliser le couteau? Ben non, non, non. Mais merde alors. C'est mort. Utiliser la canne. J'ai pas le choix là en plus. Ah non, là elle me bousille. Yes, this version is credible. Cette version est crédible. Continuez. Oh, non, continuez, vas-y. I will never know exactly what happened, but I think I have an idea. And after everything, I shot my mother. No, I didn't shoot. What actually happened? It is all in my mind, but I can remember. I know I can. Elle a vraiment un problème. Elle a vraiment un gros problème. A small leg. And another little arm. Another small leg. Oh look, only the head is left. On est dans un épisode de Dexter, là, j'avoue. Genre, elle a planqué le corps? Elle a découpé sa daronne? Attendez. Elle a quand même pas découpé la daronne. Elle l'a coupée? Elle a été foutre le cadavre sous le pont. Elle a été l'enterrer. Mais quel timbré. Mais quel timbré. Allez hop là. Prendre la tête de la mère. I was under the bridge, but it was just a game. This, however, is not a game. I was just playing. It's just a bad joke. Under the bridge, the church, the town, speak, the white lady. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi avec la tête là? Ok, le feu. Oh, la daronne, elle est morte là, je pense. Hein. Elle est. Finito!
Oh, elle a bien découpé la daronne, hein, y a pas de doute là-dessus. Hein. Mais elle est complètement barjo, hein. Bon, les gars. On va s'arrêter sur ces images. On va s'arrêter sur ces images du coup et on reprendra la suite demain.